vous assure, j'ai pris quelques kilos. Il faut que je ralentisse sur les algues grasses. On vieillit tous. Comment ? J'ai l'impression d'avoir quitté l'école. C'est amusant de réaliser à quel point les choses ont changé. Vive le modernisme, par exemple, c'est flagrant pour se déplacer. Oui. Hier encore, nous devions nager avec nos propres nageoires. Et aujourd'hui, on n'a qu'à prendre le baleinobus. Ouais, et d'ailleurs, il a 5 minutes de retard, hein. Excusez-moi, comment vous faites pour parler ? Bah, et vous, vous parlez bien, non ? Vous devriez le savoir. Mais... C'est comme ça. Nous devons la faculté de la parole à Joe. Enfin, surtout à sa potion magique. Joe ? La potion ? Vous devriez entendre Joe parler. Oh, il a tant d'inspiration. Oh, j'espère qu'il nous restera des places au meeting. Ben... Cette potion, elle est dans quoi ? Est-ce qu'elle est dans une bouteille carrée ? Oh, quel bonheur, le voilà. Bah, c'est pas trop tôt, hein. Enfin, mon cher, où avez-vous appris la politesse ? Les dames d'abord, s'il vous plaît. Ça va passer. Ça vous fera 2 clams et 5 prayers, madame. Tenez, gardez la monnaie. Une petite seconde. Cette monnaie n'est pas valable. Pas valable. Sortez immédiatement. Mais... Jack, donne-moi tes lunettes. Tenez, voici de l'argent interocéanique. Il est reconnu dans le Pacifique, l'Atlantique et plusieurs mers. Oh, c'est parfait. Voici vos tickets. Attendez, mes 2 amis ont en dessous de 6 ans. Ils ne doivent pas payer. Ah, oui, bien sûr. Je vous en rends un. Et ce pauvre garçon est presque aveugle. Oh. Ce ne serait pas juste qu'il paie le plein tarif. Ah oui, ça c'est sûr, oui, pendant c'est combien vrai. Est-ce qu'on peut revendre les billets dont on ne se sert pas ? La prochaine fois, vous ferez la pointe. Qu'est-ce qu'on aurait fait si ton truc n'avait pas marché, hein, petit génie ? Ce soir.